La course s'est bien passée, on a pris une petite avance après la première boucle qui est assez piégeuse. La deuxième boucle et la troisième, il a fallu mais vraiment attaquer pour essayer de tenir surtout le deuxième qui s'appelle Américain avec une cadette qui nous a donné quand même pas mal de fil à retordre. Et on s'est super bien amusé avec mes collègues Isto, c'était rien à dire, c'est parfait. Donc un rallye à refaire au plus vite. On te revoit où après ? Normalement, on fait le rallye de Mété. Donc pourquoi ? Parce que je l'ai fait il y a 2 ans. C'est un rallye qui m'intéresse et en plus j'ai appris qu'ils avaient supprimé la mauvaise terre. Donc pour la voiture, je pense qu'on peut bien s'amuser sans non plus la détériorer de trop. Donc, voilà. Un matin, nous avons 2 ou 3 petites sorties, mais nous régler la suspension après-midi et pour le reste, le rallye c'est impeccable. La suite du programme pour toi, c'est Je pense encore Saint-Tron et pour le reste, quand j'ai un bon sponsor avec beaucoup d'argent, peut-être Condro. On a roulé une course très, comment on s'appelle, avec la tête. On n'a pas fait d'erreur et je pense que ça c'est le plus important aujourd'hui. On a un tempo très bien et en haut, mais pas fait d'erreur. La suite du programme pour toi c'est La prochaine rallye c'est de Zuid-Limburg, de Saint-Tron. Écoute, on s'était calqué à début de course, vraiment Jérôme avait insisté sur pas mal de choses que j'ai plus ou moins respecté jusqu'au moment où il a quand même fallu que je déconne une fois, c'est-à-dire la première spéciale, la deuxième boucle, où là, dans un endroit qui est plus que connu, j'ai fait l'oreille de veau, comme on dit. Et puis à partir de là, il a commencé vraiment à sécher, ça commence à prendre un gros rythme. Et comme je l'avais dit avant la course, avec les petits freins, ça allait commencer à devenir difficile, comme l'année passée. Et c'est ce qui s'est passé, les autres ont commencé à faire des temps. On a donné. Et je dois bien t'avouer que pendant la semaine, j'ai fait le plein de pneus tendres parce que tout le monde était sûr et certain qu'il allait pleuvoir et qu'il allait faire froid. Et en fait, on a eu 23 degrés et plein soleil, donc j'ai roulé avec 4 pneus 21 que mon ami Caster avait déjà commencé à user du temps du police gendarmerie. Donc j'ai pas besoin de t'expliquer que je viens de finir ici la spéciale avec le feu dans les freins, 2-11 à l'arrière à l'agonie et 2-21 devant, à mon avis, à part les offrir à Jacques Ravet pour faire une chicane avec, on ne fera jamais plus rien d'autre avec.
n'a pas été super évident au niveau choix de pneumatique au matin. On a rencontré quelques petits soucis, on a fait deux belles sorties quand même, hein. On s'est retrouvé dans les talus, les quatre fers en l'air, mais bon, heureusement, on a pu reprendre la course. Et puis, on a eu quelques petits soucis mécaniques, donc on n'était plus trop dedans, quelques erreurs, ici et ça, et voilà, c'était vraiment dommage, parce que je m'étais arrangé avec Kurt, comme j'ai pas beaucoup de roulage avec cette voiture-là, et pas beaucoup de roulage tout court, parce que je suis toujours indépendant et j'ai pas mal de boulot, de que Kurt partage cette course-là, parce que c'était quand même un copilote très bien connu. Et voilà, j'espère qu'il voudra encore bien me copiloter. On te revoit où après ? Bon, on va essayer de s'inscrire, à mon avis, à Tournai et à Villers, oui. C'est la première fois que j'ai partagé un rallye avec Yannick. Je me suis super bien amusé. La BM, elle est très performante. Heureusement qu'on a eu temps sec par rapport à quelques endroits sur les spéciales, que c'était vraiment la flotte, mais il faut faire attention. À côté de quelques petites fautes, mais à tout le monde on a fait, je pense, sur tout le rallye. Il s'est bien débrouillé. Et je pense que le résultat, ça lui mérite, c'est 9e au général et première promotion. C'est un bon résultat, je suis content pour lui. C'est-à-dire qu'on partait le matin pour réapprendre le fonctionnement de l'auto. Donc voilà, ma course était courir sans prendre trop de risques et en essayant d'arriver au bout aujourd'hui soir. Mais bon, le problème, c'est qu'on se prend vite au jeu. Quand on voit qu'on est dans le trio de tête après la première boucle, on se dit pourquoi pas. Donc on a fait quelques petites erreurs en début de course, 2-3 tout droit, on perd 15-20 secondes peut-être. Donc on a dû un peu cravacher dans la dernière boucle pour revenir et voilà, apparemment on gagne, donc je suis super heureux. J'ai super bien commencé, on était beau rythme et nous avons directement après le premier boucle, nous sommes déjà une minute devant le deuxième dans le classe, c'est Sébastien Loué, et après on fait notre rythme et ça va aller, on a gagné. Et la suite du programme pour toi, ce sera En deux semaines c'est l'East Belgium. Mais dans le critérium et pas au national, parce que nous avons maintenant chaque deux semaines une rallye et que je roule encore au national, c'est trop. Le budget fait pas. Et je fais maintenant East Belgium et rallye Jalais, rallye de Crète et on verra peut-être tourner. Mais ça dépend encore de sponsors et je vais regarder pour le championnat, peut-être je vais faire encore tourner ou mettre, on va voir. Bah, très difficile. Déjà, c'était une prise en main pour la DS3 R3. C'est vraiment pas une voiture facile, très efficace, mais il faut comprendre comment ça marche. Le pedal box, le turbo, le bang bang, c'est totalement différent. Toute la conduite au pied gauche. On était bien parti, parce que je pense qu'on était deuxième. Puis on a eu des soucis de boîte qui nous font perdre 3 minutes dans la première boucle. Dans la deuxième, on repart pas trop mal, mais on fait une petite sortie dans le bois, un peu comme tout le monde. Malheureusement, on crève, donc on repère 1 minute 30 en spécial. On repart avec le pneu froid à gauche, donc la cinquième à l'arrêt. Et puis ici, dans la dernière boucle, on n'a pas fait d'erreur. On a égalisé tous les temps de Manu Boots, de lui, de sa boucle d'avant. Mais ici, dans la troisième boucle, elle est vraiment beaucoup trop vite, mais on a fait pas mal de deuxième temps, donc c'est très très encourageant pour la suite en tout cas.